Yo les amis, c'est Bikey 187, le pigeon. Ouais, le pigeon, car je me suis fait bien sûr pigeonner. Hein. Alors je t'explique. Ce matin, enfin cet après-midi, je vais dans ma librairie pour chercher un colis. Colis qui n'est pas arrivé. Merci Zavi, hein, d'envoyer un avis de passage. Comme quoi votre colis est disponible en librairie, tu y vas et le colis n'est pas là. Mais bon, bref. Donc du coup, ben, je suis tombé sur ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Ben, c'est tout simplement la nouvelle collection Street Fighter. Voilà, collection Street Fighter de chez nos amis Altaïa. Prix d'entrée 2€. Attends, j'ai coupé mon Discord parce que les messages des troupes balles, ça commence à me casser les couilles. Quand je dis des troupes balles, c'est les Soum Soum qui essayent de rentrer sur le Discord et qui n'arrivent pas. Hein. Donc, collection de chez Altaïa, officiel Capcom, ça c'est déjà une chose à savoir. Donc prix d'origine 1,99€, mais avec la hausse, tu payes 2 balles. Hein. Voilà. Alors, si tu commandes directement chez Altaïa, en version exclusive, tu payes 1€ supplémentaire, tu auras ces deux figurines-là exclusives, de taille relativement correcte, Ryu qui fait 16 cm et Ken qui fait 13,5 cm, mais tu les as pas tout de suite. Ça c'est en bois numéro 12 et ça c'est en bois numéro 16 si je me trompe pas, je vais te le préciser, ouais, en bois 12 et 16, pour seulement 99 centimes de plus par numéro. Donc c'est 1€ par numéro. Donc en gros il y a 17 numéros d'après ce que j'ai compris. Donc tu payes 17 balles en plus. Donc 17€ pour avoir ces deux figurines là en plus. Ah, je trouve que ça passe. Oui, ça va encore. Franchement, elles sont quand même relativement belles. L'avantage aussi c'est que tu peux les assembler, tu vois, elles sont découpées pour que tu puisses les regrouper. Le bémol qui a par contre. Ah oui, ça c'est l'envoi numéro 2 aussi. Tu auras le 2 et le 3 pour 7€. Donc ça, si je les trouve en librairie, je les prendrai. Je t'explique pourquoi les prendre en librairie. Je t'explique ça de suite. C'est que c'est prélèvement automatique. Voilà, prélèvement automatique. Et ça, c'est un truc que j'aime pas. Mais pas du tout. Ensuite, par rapport aux 17 envois, tu auras des cadeaux exclusifs aussi. Hein, comme la casquette au 17e envoi et ainsi de suite. Troisième envoi, tu as les posters, tu as un mug, tu as une casquette et tu as un t-shirt. Bon, ça reste quand même correct. Donc l'envoi numéro 2, comme je te l'ai dit, coûte 7€. 6,99€, on arrondit à 7 balles. Mais par contre, les autres envois, c'est 13 balles, plus un 75 centimes de frais d'envoi. Est-ce que c'est valable aussi les frais d'envoi pour la Belgique? Ça, je ne suis pas sûr. Mais je ne compte pas faire l'abonnement directement chez eux, parce que c'est prélèvement automatique via la carte bancaire, et ça, j'aime pas du tout. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Mais après, je peux les comprendre. Et apparemment, c'est envoyé par avion aussi. Voilà. Donc au niveau de l'écologie, on en reparlera, envoyé par avion, c'est marqué là au-dessus, ici, ne pas franchir, machin, voilà. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on avait dans le premier numéro? Ben, on a un petit fascicule, hein, qui est sur Ryu. On a un petit autocollant là, je sais pas pourquoi c'est collé dessus comme ça. J'ai essayé de le décoller, il n'y a pas moyen de le décoller. Hein, quoique, si, apparemment, il se décolle. Mais c'est collé directement dessus. On va pas le décoller, sinon ça va arracher le truc. Alors à l'intérieur, bon, on retrouve pas mal d'infos, bien sûr, par rapport aux jeux vidéo. Hein. Bon, il y a pas mal d'infos que les fans comme moi connaissent, hein, tu vois. On a aussi des détails par rapport où on a aussi un poster. Voilà. Et on a aussi des infos par rapport à l'âge, au poids, en quelle année Ryu est né, et ainsi de suite. Donc il est né le 1964. Âge en Street Fighter 2, il avait 23 ans, il mesure 1m75 pour 68 kg. Et la première apparition, il a fait sa première apparition, je vais y arriver, dans Street Fighter de 1987. Voilà, et ici on a quelques petit visuel des différentes évolutions du personnage, donc en pixel, donc ici pixel, là un petit peu plus détaillé, et là la version du Street Fighter champion machin, que je trouve pas trop mal, mais je préférais les anciens quand même.
Après, chacun ses goûts, hein, comme on dit. Et donc voilà, et pour chaque numéro, on va recevoir un petit fascicule comme ça. Donc le prochain numéro, ben, on va recevoir le fascicule de Ken et de Chun-Li. Donc ça peut être sympa. Donc je vais essayer de choper quand même le numéro 2. Parce que Chun-Li, j'aime bien. Et j'aimerais bien aussi avoir le duo Ryu et Ken quand même. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'on a quand même pas mal de petites choses. Hop, le fascicule, on va le mettre là. On a aussi un très 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 joli poster. Mais d'abord, je vais vous montrer les autres trucs qu'il y a derrière. Parce que ici, voilà, c'est là. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on a les deux figurines exclusives pour 1 euro supplémentaire par envoi. On a tous les cadeaux qui sont ici. Mais on a surtout ici un visuel de toute la collection. Enfin, une grosse partie de la collection. Donc on a Ryu, Chun-Li, Ken, Sagat, Gyul. Les figurines sont quand même relativement bien propres, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Elles sont quand même franchement propres. Elles font entre 9 et 13 cm de haut. Quand je pense que 13 cm de haut, ce sera plus pour Ken, parce que Ken est dans une position dynamique avec le poing levé, avec la flamme, avec la boule de feu. Et aussi pour Sagat, parce que Sagat est quand même assez massif. Donc je pense que c'est celles-là qui vont faire dans les 13 cm et que les autres feront... Enfin, ils disent entre 9 et 14 cm, pardon. Donc c'est des figurines en PVC qui sont peintes à la main. Donc ça, c'est relativement sympa. Donc au niveau des détails, franchement, ça va. Et qu'est-ce qu'on a en plus ici avec le numéro 1 pour 2 euros. Je trouve que c'est pas trop cher payé. On a surtout ce magnifique poster qui est quand même relativement sympa. Voilà, assez grand quand même et tout. Donc ça, c'est plutôt assez cool pour 2 balles. Voilà, quand je dis pigeon, c'était bien sûr pour rigoler, parce que bon, 2 euros ça passe, hein, franchement. Donc on a le fascicule, on a un magnifique poster et bien sûr le plus important de la collection, c'est la figurine que voici. Et franchement, elle est vraiment hyper bien stylée, elle est vraiment propre. Voilà. Bon, j'allais dans le blister, hein, tu te doutes bien pourquoi. Peint à la main et tout. Les détails sont franchement sont assez bien faits. Il y a même une structure au niveau des pieds, on voit les veines et tout sur les pieds et tout. Donc franchement, ça c'est bien foutu. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est la qualité, enfin le détail de la boule d'énergie. Voilà, ils auraient pu détailler ça un peu mieux quand même. Mais bon, après, pour le prix de lancement, 2 euros, on va pas se plaindre. En espérant que les autres ont une qualité un petit peu meilleure. Bon, après, il faut pas oublier que c'est par la main et tout, donc voilà quoi. Donc c'est du PVC, malheureusement. Je pensais que c'était... Ils auraient pu le faire en résine. Bon, en résine, ça aurait coûté un peu plus cher. Mais au niveau de la qualité, ça aurait été un petit peu plus joli. Donc pour rester dans des budgets assez corrects, ben, on fait ça en PVC. Alors derrière, on retrouve quoi? Capcom USA 2000, donc certifié par Capcom. Et ça date de 2000, donc ça a un an. Donc les figurines ont un an ici. Et franchement, elle est sympa. Voilà. Elle est vraiment très 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 sympa. Donc voilà, mon pote, enfin les amis, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vaut réellement une 15aine d'euros? Voilà. On va arrondir, hein, parce que 12,99 plus 1 euro d'envoi, ça fait 14 balles, bon, on va arrondir à 15 balles. Est-ce que d'après toi, est-ce que ce genre de figurine vaut une 15aine d'euros? À part celle-ci, parce que j'ai payé 2 balles, c'est le prix de lancement. Mais d'après toi, est-ce que ça vaut 15 balles, donc le prix d'une Anibo? Hein, qu'on trouve à peu près. Bon, après les Anibo, c'est pas le même délire, c'est Nintendo, donc pour la collection, les Anibo en général, elles ont tendance à exploser au niveau des prix après. Donc d'après toi, est-ce que ça vaut vraiment son prix, 15 balles? Voilà, je te laisse me répondre dans les commentaires et je te dis bien sûr à la prochaine. Porte-toi bien. Si tu veux rejoindre la chaîne, c'est très simple, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner. Si tu veux soutenir la chaîne, il y a plein de possibilités, donc c'est-à-dire en cliquant sur le bouton rejoindre, 1,99€ par mois au tarif le moins cher. Tu peux faire également des dons via le Super Chat et tout ça. Et si tu n'as pas d'argent, il y a le lien de mon Tipeee en description. Tu cliques sur la vidéo, enfin, tu auras un accès pour regarder des vidéos. Tu regardes chaque vidéo que tu regardes, ça me rapporte 3 centimes. Certaines vidéos, tu peux les regarder une seule fois par jour. Il y en a d'autres que tu peux regarder jusqu'à 3 fois.
toutes les heures, donc une fois par heure, voilà, tout simplement, et ça aide grandement la chaîne, donc je te dis déjà un très grand merci pour ceux qui le font, et un grand merci aussi d'être là depuis toutes ces années déjà, hein. Donc un grand merci encore à vous, et je vous dis à la prochaine les potos, ciao ciao.